de tournement dans la partie. C'est pourquoi nous demandons à la haute hiérarchie de s'y mettre, parce que quand on est sous le radar, on est. Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. Je suis Mardo Chancelet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour changement. Nous voilà encore de nouveau ce soir dans notre numéro Tribune de vérité. Aujourd'hui, mes amis, nous nous sommes dit que nous allons essayer de décrypter de manière un peu comprimée la réalité de la politique, l'actualité politique dans notre pays. On commence avec le pouvoir central. Nous avions suivi tous ensemble ce qui s'est déroulé à la tête de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Sénat a un bureau définitif, démocratiquement établi. La chose que tout Congolais avait besoin. Nous avions besoin que ces institutions puissent, n'est-ce pas, fonctionner pour permettre au chef de l'État de satisfaire les Congolais de manière la plus rapide. Parce que le Congo a tant souffert, 18 ans de souffrance, 18 ans de calamité, 18 ans, nous avons souffert sérieusement. Mais je ne pense pas que c'est par baguette magique que le chef de l'État devrait normalement pallier à tout à cette problématique. Je pense que c'était une question de temps, c'était une question de confiance. C'était aussi une période où le chef de l'État devrait prendre le temps d'exalter, n'est-ce pas, le problème, le vrai problème auquel on devrait donner solution. Parce que pour donner solution à un problème, il faut d'abord identifier le problème. Et quand vous identifiez mal le problème, vous pouvez aussi donner de mauvaises solutions. Donc il faut identifier les vrais problèmes et chercher des solutions qui peuvent, n'est-ce pas, donner solution, des solutions qui peuvent être capables de résoudre une fois pour toutes les difficultés qu'ont les Congolais. Le mariage CACH-FCC, c'est une grande leçon que nous retenons. C'est quelque chose qui nous a appris beaucoup sur, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre pays. Il y avait un groupe d'individus qui voulaient à tout prix voir Tshisekedi échouer, mais le peuple en a décidé autrement. Et le chef de l'État, dans son intelligence et par son arbitrage, il a jugé bon, comme le garant de bonnes institutions, le garant de bon fonctionnement des institutions, de pouvoir passer outre, c'est-à-dire mettre en place l'union sacrée de la nation, qui est une solution au problème que le Congolais traverse. Nous avons un Sénat actuellement dirigé par Modeste Batulukwebo, cet homme très engagé qui avait vraiment manifesté la volonté d'accompagner les chefs d'État. Mais je pense que nous, dans notre politique de l'UDPS, dans notre politique de Tshisekedisme, nous ne sommes pas obligés de tout applaudir, mais nous pouvons aussi prévenir autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons à ces mécontents-là, les gens qui voulaient, qui sont venus avec cette méthode, cette ancienne méthode, celle d'être satisfait, suffisamment satisfait, nous nous sommes dit que nous faisons des sacrifices. Nous allons faire en sorte que le Congo gagne, que le peuple gagne, et non les individus. C'est-à-dire, si dans votre formation politique, sur 50 personnes, 2 personnes sont satisfaites, mais acceptez aussi que dans d'autres regroupements politiques, une formation politique, il y a aussi des gens qui ont besoin d'être satisfaits. Donc, l'Union sacrée de la Nation ne vient pas pour satisfaire des individus, comme c'était le cas avec le CACH-FCC. Mais je pense que la différence, c'est qu'ici, l'Union sacrée vient avec la vision qui est celle de diriger autrement, c'est-à-dire diriger pour l'intérêt du peuple, diriger pour aider les Congolais à aller de l'avant. La CESAC salue aussi la nomination de Batulukwebo. Je pense que la présence de Batulukwebo à la tête du Sénat représente une avancée significative. Je vois les gens sur les réseaux sociaux critiquer, bien sûr, c'est votre droit le plus légitime de critiquer, mais critiquer positivement. Faites des remarques, appelez Bat à la connaissance, à la conscience, pour, n'est-ce pas, demeurer dans la logique de la vision du chef de l'État, afin que ses efforts soient couronnés du succès. Mes amis, aujourd'hui, on va encore parler de la formation du gouvernement. Nous avons vu, après les consultations qui étaient entamées par le Premier ministre Samalou Kondé, il était convenu que chaque formation politique membre de l'Union sacrée de la Nation devrait proposer 3 candidats, donc au poste ministériel, pour la formation la plus rapide du gouvernement. Donc ce formateur du gouvernement est très déterminé de mettre en place une équipe de vertébrés qui ont vraiment les soucis du peuple, ces gens qui veulent travailler selon la vision du chef de l'État pour le salut du peuple. Le salut du peuple, c'est ça, c'est qui prime sur toute chose. Donc, nous devons faire confiance à Félix Tshisekedi, notre président, éviter de spéculer n'importe quoi. L'Union sacrée vient avec une autre vision.
Nous voulons voir le chef de l'État réussir. Nous voulons voir le chef de l'État aller au bout avec sa mission, avec ses promesses, pour que le Congolais se retrouve. Notre souci, c'est que notre pays retrouve sa dignité, que le pays soit investi, que le pays soit construit, que le pays puisse, n'est-ce pas, donner le meilleur à son peuple. Mes amis, je vais aussi vite. Avant d'entamer le deuxième point, je soutiens Modeste Bahati Lukwebo, le sénateur, le professeur. Professeur Bahati doit faire en sorte que le Sénat joue réellement son rôle. Qu'il ne fasse pas ce qu'un Tambo Mamba a fait, mais qu'il joue son rôle selon la vision du président public pour l'intérêt du peuple. Nous allons maintenant, nous descendons au niveau de notre province, la province du Lualaba, la province pilote. Mes amis, ça fait 2 mois, jour pour jour, que monsieur le gouverneur de province, Richard Mouyej, est absent. Nous sommes en train de vivre. Nous sommes sous le leadership féminine de madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, cette grande dame que les gens découvrent aujourd'hui, quelle est l'incarnation des valeurs cardinales pour la gestion aisée des institutions provinciales. Cette grande dame qui inspire confiance, qui a besoin de voir les Lualabais se souder derrière elle afin que le peuple Lualabé puisse se retrouver. Ça, c'est quelque chose de grand important. Ça, vous devez souligner ça. Parce que vous voyez autre chose, notre façon de faire la politique actuellement est différente de la politique ancienne qui était celui de diviser pour régner, soit régner pour ses intérêts catégoriels. Mais cette fois-ci, c'est différent. Nous faisons des choses autrement. Maman Fifi Masuka Saini. En tout cas, beaucoup de courage à vous, madame. Je ne suis pas en train de te louer parce que je soutiens ta vérité, je soutiens ta franchise, ta détermination pour la délivrance des institutions. Mais je te soutiens parce que tu mérites le soutien, parce que tu as fait un bon choix, tu as adhéré à la vision du chef de l'État. Mais aujourd'hui, on salue ce que vous venez de faire. Mes amis, ça fait quelques jours, nous étions très surpris avec la disparition de l'honorable Kouvasi Lunga, notre élu, qui nous a laissé beaucoup de soucis. Sa disparition a été vraiment poignardant. Et ça fait mal. Jusqu'alors, nous avons des cœurs maîtris pour sa disparition. Donc, le Lualaba regrette la disparition de l'honorable Kouvasi, qui avait beaucoup à donner pour sa province. Mais il méritait des obsèques dignes de son nom. Digne de son nom. Nous nous sommes dit, seule madame le vice-gouverneur, Fifi Masuka Saini, devrait normalement user de sa compétence, de son côté, n'est-ce pas, d'hospitalité, pour permettre à cette grande personnalité de la province de mériter les obsèques qu'il faut. Elle s'est battue corps et âme, comme ce n'était pas la première fois déjà à l'époque où il était gravement malade. Cette dame a laissé son bureau tout en étant affamée. Il a tout abandonné pour accompagner, apporter vraiment de l'aide à son frère qui était malade. Malheureusement, il a disparu. Mais comme la reconnaissance est une grande qualité, c'est une valeur, madame le vice-gouverneur a reçu aujourd'hui la famille biologique de l'honorable Kouvasi Lunga qui est venue la remercier, reconnaître le bienfait que cette dame a fait pour, n'est-ce pas, organiser les obsèques dignes pour son implication, n'est-ce pas, dans l'organisation des obsèques de l'honorable Kouvasi Lunga. Je vais vous proposer un élément. L'épouse du feu, Michel Ilunga Kouvas, était au cabinet du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba. La veuve Chou Kouvas s'est fait accompagner de son fils, ses deux filles et d'autres membres de la famille restreinte de l'ancien député provincial du Lualaba, décédé le 22 février dernier. Ils sont venus manifester leur gratitude à Fifi Masuka Saini pour tout sacrifice consenti dans les soins de ce grand élu de Kolwezi pendant son temps de maladie. Nous sommes d'abord de la famille de l'honorable Michel Kouvas, qui nous a quittés il y a peu. Alors nous sommes venus remercier l'autorité provinciale pour la promptitude avec laquelle elle a agi lorsqu'il était souffrant et jusqu'à la conduite à sa dernière demeure.
pour la considération qu'elle a en la mémoire de l'illustre disparu. Au nom du gouvernement provincial, Fifi Masuka Saini a exprimé sa disponibilité à accompagner la famille Kouvas dans sa douleur toutes les fois qu'il y aura nécessité. Chaque fois, nous allons commencer à vous donner des informations, des vraies informations, pour commencer à être au parfum de ce qui se passe. Je ne vais pas passer ici sans parler d'une certaine pétition, une lettre ouverte, je ne sais pas moi, adressée à Madame le vice-gouverneur, organisée par les mêmes individus qui ont toujours tendance à parler au nom de Lualaba, au nom de Mécontent, parce que c'est un groupe d'individus, ils ne sont même pas nombreux, mais ils se mettent à faire n'importe quoi. Le quatrième point aujourd'hui, nous allons essayer aussi de parler de cette particularité. Le Lualaba aussi se dote des modèles de farine. C'est très important, c'est quelque chose à encourager. Comme Madame la vice-gouverneure a aussi souligné qu'elle se sent trop fière de payer 100% Lualaba, la farine du Lualaba produite au Lualaba. Je vois le récupérateur dire la vision de Richard Mouillet est en train d'être concrétisée, mais concrétisée par Fifi Masuka, pas par lui-même. Hein? Donc, ça, c'est dans le cadre de la continuité de l'État. Il ne faut pas mélanger ce qu'il faut mélanger, et ainsi de suite. Je suis content, mes amis. Je veux proposer l'élément pour voir. Aujourd'hui, nous avons la farine, Pirama Lualabaise. C'est quelque chose à apprécier. Les gens seront surpris pour dire que Mardouché aussi apprécie la farine. Non, moi, je ne suis pas contre Mouillet, je suis contre sa gestion. Je l'ai toujours dit. Qui n'a pas bien géré, il a détourné l'argent de l'État. C'est pas moi qui l'ai dit. Beaucoup de sources parlent la même chose. Donc, évitez de vous attaquer à moi. Mais vous ne saurez pas parce que moi, je suis un ami de la vérité. Je continuerai toujours à servir la vérité jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous sommes déjà des personnes qu'on ne peut pas manipuler ni exploiter. Hein? On ne peut pas nous manipuler, nous exploiter. Alors, je vais vous proposer l'élément. Vous allez voir la farine que le là-bas dispose, le gouvernement provincial met à la disposition de son peuple. Ce qui est quelque chose à louer. J'encourage aussi Madame le vice-gouverneur pour ses initiatives dans l'aménagement, n'est-ce pas, de conditions sociales de Lualaba. Il y avait quelques avenues qui étaient impraticables, mais je pense que comme elle a commencé à faire ça, elle peut aussi penser à faire beaucoup plus que ça, à continuer avec sa vision comme le peuple l'a déclaré. Nous avions balancé notre micro partout, les gens ont vraiment manifesté leur soutien à Madame le vice-gouverneur, ce qui est quelque chose de grande importance. Alors, je vous laisse d'abord suivre l'élément, ce qui est très important. Bon, nous voilà, mes amis, vous avez suivi. Nous sommes presque au bout, à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je pense dans les prochains numéros, nous allons vous proposer des choses très, très, très bonnes qui vont suivre. Nous n'oublierons jamais de vous dire... Abonnez-vous sur notre chaîne, c'est pour vous faire les condensés des réalités.